Salut Pamela. Salut Dalida. On se retrouve aujourd'hui avec Lille City Crunch pour une nouvelle adresse de l'été. Alors on est où ici aujourd'hui Pamela? On est au tout début de la rue de Gand, chez la Biche et le Renard, un bar shop musique hyper sympa. Ils viennent de fêter leur anniversaire et ne désemplissent pas. L'ambition des créateurs du bar, offrir à leurs clients un véritable espace de découverte de produits de la région. Et moi, en fait, on met en avant une bière du côté du bar, un accessoire du côté de la boutique, parce qu'on a aussi une boutique qui vend des accessoires, et un artiste ou un label du côté de la musique. Donc voilà, on essaye de faire le plus d'événements possibles régulièrement, avec du côté de la boutique des créateurs lillois, mais pas que, il y a aussi de France et du monde entier. Et les bières, par contre, c'est des bières locales qu'on essaye de mettre en avant le plus régulièrement. Bien plus qu'un bar, la Biche et le Renard, c'est d'abord un lieu de vie où chacun a ses raisons de venir. Il y a un super choix de bière, ça change vraiment de tout ce qui est à côté. Il y a beaucoup d'événements musicaux et je suis très sensible à ça, donc c'est principalement pour ça que je viens. Moi j'ai commencé à venir ici pour travailler, parce que finalement ça ouvre à 14h, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ce n'est pas obligé d'attendre 18h pour venir et profiter du lieu. Alors Virginie, quelles sont les trois bonnes raisons de venir ici? Alors, les trois bonnes raisons, c'est déjà un lieu de vie tendance et convivial. C'est aussi un lieu où tu peux boire des bières et aussi faire du shopping. Et c'est aussi un lieu d'événements, dont les dimanches de Mingo. Ça a l'air chouette. Carrément. C'était les crunchs de l'été avec Lille City Crunch. Et n'oubliez pas, le dépaysement est au bout de sa rue.